La maison du sculpteur Charles Leplat est enclose dans un grand jardin plein de vie. Les objets familiers qui nous accueillent nous racontent la vie, les joies, les goûts de Charles Leplat et de sa famille. Les peintures de sa femme, par exemple, intérieur de couvent ou bric-à-brac de l'armée du salut. Et à côté des peintures de sa femme, la collection de soldats de plomb. La bibliothèque, et parmi les livres, les statuettes de Charles Leplat. Par exemple, ce petit bas-relief que vous voyez à gauche, intitulé Le balcon, et la frise de l'amitié, dans laquelle nous retrouvons plusieurs thèmes traités par Charles Leplat en grande dimension. Et enfin, Charles Leplat lui-même, qui se livre pour l'instant à une bien curieuse occupation. Dites-moi, Charles Leplat, que faites-vous? Eh bien, comme vous le voyez, j'attrape des mouches. Et pourquoi faire? Eh bien, les mouches servent à nourrir une ampuse. Une ampuse? Oui, les ampuses ont un très grand appétit et ne veulent manger que des mouches vivantes. Et pourquoi nourrissez-vous une ampuse? Elles me servent de modèle. Ah bien, mais dites-moi maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une ampuse? L'ampuse est un insecte de la famille des mantes religieuses. La voilà d'ailleurs. Il y a longtemps que je rêvais de faire une sculpture d'insectes. Celui-ci est agrandi un million de fois. Il vient d'être coulé en bronze et on le transporte à l'exposition où il doit figurer dans un des pavillons. Vous voyez la tête extraordinaire qu'il a, une mitre qui ressemble à celle des pharaons égyptiens, et de grandes cornes qui font penser à celles d'une chèvre. Où nous emmenez-vous maintenant? Et au jardin, j'aime beaucoup mon jardin. Aimez-vous aussi jardiner? Non, je déteste de jardiner. La sculpture est un métier tellement fatigant, tellement matériel, que quand on sort de l'atelier, on n'a plus du tout envie de bêcher ou de tondre les pelouses. Vous prenez le thé en famille. Dites-moi, présentez-moi les amis qui prennent le thé avec vous. Ceci, c'est vous tout d'abord. Oui. Et voici ma fille qui va prendre en main sa fille à elle, ma petite fille Isabelle. Paplouk. Et voilà le peintre Albert d'Asnois. Et ma femme, vous avez vu les peintures. Si nous allions dans votre atelier maintenant. Bien sûr. À quoi travaillez-vous pour l'instant? Eh bien, j'achève un bronze. C'est la première maquette de la grande sculpture de femmes agenouillées qui se trouve à la Banque Nationale. Comme vous le voyez, une sculpture n'est jamais finie. Lorsqu'elle est en bronze, on peut encore la transformer, l'achever. On cisèle, on la lime. Voici la grande sœur, maintenant. Oui, elle est agrandie, elle a à peu près 3,50 m. Vous avez encore d'autres sculptures installées à Bruxelles, dans les squares ou sur d'autres bâtiments? Mais j'en ai quelques-unes. Voici ici un monument aux maisons détruites de Bruxelles. Qui se trouve à la gare centrale, je crois. Qui se trouve à la gare centrale, oui.
Et voici ma petite fille Isabelle et sa mère qui me servent de modèle. Je travaille à l'esquisse d'une sculpture qui doit venir au Mont des Arts. Cadre fort changé depuis. Et voilà un évêque. C'est la maquette d'un grand évêque en bronze qui se trouve à la cathédrale de Namur. Une tête d'homme en bronze aussi. Ceci, c'est curieux. Oui, ceci, c'est le portrait d'un ami céramiste. Pierre Caille, je me suis amusé à mettre sur sa tête toutes sortes de céramiques, comme vous voyez. Céramique que vous avez faite vous-même, bien entendu. J'ai fait moi-même qui m'a aidé à cuire. Pierre Caille était d'ailleurs le professeur de ma fille, qui a fait la céramique à la cambre. Vous la voyez en train d'émailler des petites statuettes, des petites danseuses, dont l'une porte un masque d'animal. Ceci, c'est un portrait de votre femme, je pense, et je crois qu'il se trouve au musée d'art moderne à Bruxelles. Oui, il se trouve au musée de Bruxelles. Il date de 1939, il est déjà assez ancien. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Si, c'est un adolescent debout. C'est une grande statue? Bon, c'est-à-dire un peu plus grande que nature, il mesure 1m70. Oh, c'est un grand adolescent, alors. Mais... Dites-moi, vous avez d'autres œuvres dans d'autres musées en Belgique ou à l'étranger? Et j'en ai au musée d'Anvers, de Gand, de Liège, de Verviers, de Louvain. J'en ai aussi à Amsterdam, à Copenhague. Ainsi, nous retrouvons un peu partout en Europe des œuvres signées Charles Le Plat.